chaleur étouffante. Pourquoi je voulais sortir? Oh oui, c'est l'heure d'appeler papa. Farhad, comment on installe l'antenne téléphonique déjà? Hein? L'antenne, il faut que je téléphone à papa. J'en sais rien. Ben, comment on installe quoi déjà? Ah oui, l'antenne téléphonique. Quoi, l'antenne? C'est ça. Oh, sur le toit, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut que je sorte sous ce soleil brûlant. Pourquoi est-ce que tu ne cuis pas? Oh, la flamme s'est éteinte. J'abandonne, il fait bien trop chaud pour la rallumer. Ah, du balai, la mouche. Qu'est-ce que tu es empoté? Tu peux me dire ce qu'on fabrique? On devrait être en train de consulter la carte de Zenem. Il faut à tout prix découvrir où se cache le quatrième fragment magique. Et vite. Oh, quoi bon, je n'ai pas la force de déchiffrer quoi que ce soit. Encore moins de partir à l'aventure je ne sais où. Il serait plus sage d'attendre que la nuit tombe pour lever le camp, quand il fera un peu plus frais. Ouais, c'est ça, il a raison. Attendons que le soleil se couche. Mais cette journée n'en finit plus. Je me demande quelle heure il est. J'en sais rien du tout. Vous en avez eu assez? Je veux plus de pétrole. Mais, maître, vous crachez des flammes depuis plus de 2 jours! Ce ne sont que de ridicules étincelles comparées aux flammes de l'enfer dans lequel Farhad se retrouvera bientôt. Voilà une perspective qui me réchauffe le cœur. Pourquoi ne pas le tuer maintenant? Non, il est toujours dangereux. Je veux le réduire en cendres, lui et ses maudits cristaux magiques. Oh, dans ce cas, je devrais peut-être lui régler son compte avec un de mes missiles, qu'en dites-vous? Silence, faible mortel. Je veux plus de pétrole. Oh, d'accord, d'accord. Inutile de s'enflammer comme ça. Cette chaleur, et Farhad disparaîtra à jamais. Oui, tout comme mes réserves de pétrole, j'en ai peur. Je vais quand même essayer d'appeler papa. Qu'en penses-tu, Farhad? Qu'est-ce que je pense de quoi? Oh, de rien. On dirait qu'il fait plus chaud à chaque seconde qui passe. Mais c'est impossible. Bonjour, mon canard en sucre. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Oh, quoi? J'entends mal. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va très bien, papa. C'est juste qu'il fait particulièrement chaud. Et évidemment qu'il fait chaud au beau milieu du désert. Ah, mais oui, tu as raison. On est dans le désert, ça explique tout, bien sûr. Non, c'est rien, tu verras. La nuit va tomber et ça va se rafraîchir. À part ça. Qu'est-ce que tu racontes de beau? De nouvelles aventures avec cette vermine de Snarkov? C'est qui, ce Snarkov? Bah, cette espèce de fou du pétrole, qui d'autre? Avec qui tu discutes, Tilda? Non, d'un coup de grisou. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein, dis-moi? Inutile de hurler, tout va bien, j'ai le contrôle de la situation. Justement, on allait se préparer pour notre voyage vers... Où est-ce qu'on est censé aller, déjà? J'en sais rien. Allez, pourquoi tu ne nous préparerais pas une petite potion rafraîchissante? Non, mais tu rigoles, j'ai tous les tiroirs qui grincent tellement je suis sec, je vais finir tout rouillé, et pour l'instant, j'ai besoin d'un gigantesque verre d'eau. Alors, vas-y, serre-toi. Oh, c'est vrai, papa, je viens de me rappeler que nous ne savons pas encore où nous devons aller. Mais nous allons bientôt consulter la carte de Zenem et... Tilda, regarde ces cristaux. Ils sont beaux, hein? Je les ai trouvés dans une gaine avec un lance-pierre. Tu les aimes? Oh, ils sont superbes. Papa, Farhad vient de trouver de magnifiques cristaux. Je suis sûre que je pourrais m'en faire un très joli collier. Ils sont si brillants. Mais s'il te plaît, Tilda, dis-moi que c'est une blague. Ce sont les cristaux du Shariman, voyons. Vous en avez besoin pour combattre Igokan, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, réponds-moi. Tout va bien, tu n'as pas de soucis à te faire. Oh. Tilda, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, tout va. Tilda! Tilda!
bien. Tilda! Oh, 900 ans, c'est la première fois que j'ai aussi chaud. Allô, répondez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui cloche. J'ai un mauvais pressentiment. Je suis certain que c'est à cause de cet écho, je ne sais quoi, et de ce Snarkov. Je jure qu'ils auront affaire à moi s'ils touchent à un cheveu de Mathilda. Bon, voyons voir. Le scorpion a parlé d'une chaleur anormale. Je pourrais peut-être les trouver grâce à cet indice. Jérémy, vieille branche, c'est Nigel. Alors, comment ça va chez toi? Nigel, ça me fait plaisir de t'entendre. Écoute, tout va bien, merci, et toi? J'ai entendu dire que tu les épatais tous depuis que tu travailles à la télé. Il paraît que tu t'occupes des prévisions météo, c'est génial. Tiens, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Il n'y aurait pas un endroit quelque part dans le désert où il fait beaucoup plus chaud que d'habitude? Alors ça c'est bizarre, comment t'es au courant? Justement, nos satellites ont enregistré une incroyable vague de chaleur dans une région du désert d'Arabie depuis ces deux derniers jours. D'accord, où exactement? Latitude 48 degrés, longitude 53. Bah, je te remercie. C'est pas impossible que tu trouves une caisse de ta bière préférée devant ta porte. L'uniforme de mon grand-père quand il servait en Inde. Je savais que j'avais raison de ne pas le jeter. Et maintenant, direction la mine. C'est vraiment gentil de me remplacer. J'apprécie, les gars. Aucun problème, vieille branche. Et d'ailleurs, je me sentirais mieux si tu prenais Betsy, ma belle portable, avec toi. Merci. Je te promets de prendre bien soin d'elle, Jim. Ah, tu vas nous manquer, vieux loup de mer. Tiens, prends donc cette boîte de thé. Ça te revigorerait même un ours. Et en plus, ça te rappellera le pays. C'est vraiment trop gentil, Sam. Une dernière chose, j'ai parlé à mon cousin Cédric, il travaille à l'aéroport. Va le voir, il te fera monter gratis dans un avion cargo. Et encore bonne chance! L'eau s'évapore avant même qu'on puisse la boire. Mes cousins, vous êtes tous venus me rendre visite? Quelle agréable surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Non, c'est un mirage, Ben. Réveille-toi, fais un effort. C'est fatigant de parler. Non, d'une tempête de sable rouge, quand est-ce que ce maudit soleil va se décider à se coucher? Farhat, à quoi tu penses? Ramasse les cristaux. Hein? Les cristaux magiques, ça va pas les laisser étaler sur le sol comme ça, n'importe qui peut les voir. Comment ça? De quels cristaux est-ce que tu parles? Et ta mission, au nom d'une oasis asséchée. Le Chariman et Gokan et tout le tralala. Mais où est mon père? On est censé faire un long voyage en avion à travers le désert interdit. Oh. Nom d'une tempête de sable, et pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt? Oh, je suis sûr que c'est encore un coup des Gokan. Vite, il faut que je prépare une potion antidote. Je ne peux plus bouger une seule passe. Cette chaleur va finir par m'achever. Votre cruauté. C'est un réel plaisir de vous revoir. J'attends vos ordres, votre saleté. Pauvre idiot, assez de bavardage. Passez au remplissage. Bien, à vos ordres. Merci beaucoup, mon ami. Voyons voir, ce village est le dernier endroit habité à la limite du désert. Eh bien, on dirait que j'ai mis droit dans le mille. Pas de jeep, pas de camion. Mais j'ai un long chemin à faire jusque-là. Je paierai tout. Non, vous surtout pas aller là-bas, chaud, très très chaud. J'y fondre, vous aussi fondre, très dangereux, trop dangereux. Alors donnez-moi une mobylette, un vélo, une trottinette. Pas de moto, pas de trottinette, dangereux. Alors je prendrai un chameau. Un chameau, non. Oh, ça suffit, tu ne sais pas dire autre chose que non. Chameau, animal très cher, tu vas pas avoir assez d'argent. Non, t'as coup de grisou. Alors je mettrai tout mon argent dans cette gourde, voilà. D'accord, ça fait 5 piastres. Tiens, prends ça, espèce de bandit. Hé, hey, petit bonhomme, tu veux bien me la remplir? Je suis un Swanson, moi, un vrai, de Bermondsey. Et nous, les Swanson, on n'abandonne jamais. Non, pas quelques petites dunes de sable qui vont m'arrêter. Arrêtez! Toi fou, étranger! Là-bas, c'est pas le désert, la vraie fournaise. Pourquoi toi vouloir y aller? Il se trouve que ma petite fille chérie est bloquée dans cette fournaise et je compte bien aller la sauver avec ou sans ton aide. Bon, d'accord. Moi, décide d'aider toi, étranger. Cette chamelle, aucune valeur. Je te la donne à toi, gratis. J'espère que ça ne demande pas trop d'entretien. Non, et mieux que d'aller à pied. Ça, c'est vrai.
Allez, petite demoiselle, au galop. En route pour l'aventure. Oh oh. Nom d'un coup de grisou. Si je m'attendais à ça, cette chamelle souffle plus qu'une cornemuse trouée. Très bien, message reçu, ma belle. Je vais porter mes affaires un petit peu. Je commence à penser que j'aurais mieux fait de suivre ma première idée et d'y aller à pied. La digitaline. Où est-ce que j'ai bien pu la mettre? Non, d'une tempête de sable. Je n'arrive plus à me souvenir de rien, c'est embêtant. Ah oui, ça me revient. Je sais où je l'ai mise. Je n'ai plus qu'à la mélanger avec un peu de... Attends, une pipe en bois. C'était pas censé se passer comme ça. Tu vas avancer, oui. Tu te moques de moi, hein, c'est ça? On y est, jeune fille. C'est ici que nos chemins se séparent. Tu peux retourner au village. Moi, je vais m'asseoir une minute et me faire une bonne tasse de thé. Oh, je t'ai dit de t'en aller. Toi, tu retournes au village. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sourde? Oh, sacré nom d'un chien. Espèce de sac, petite voleuse. Tu sais ce que je devrais te faire? Oui. Ouf. Oh. 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 Attends que je raconte ça aux gars de la mine. Ils me croiront jamais. Prête ma petite chamelle, le vaste désert nous attend. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je veux plus de pétrole. Mais vous m'aviez dit que ce serait le dernier ravitaillement, maître. L'énergie des cristaux est encore trop forte. Je dois les affaiblir avant de pouvoir les détruire pour de bon. Espèce de vieux déchet démoniaque. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien du tout. Il n'y a aucun problème. Je vous donne tout le pétrole que vous voulez. Rouge, vert, noir ou blanc, sucré, salé, avec ou sans bulle. Vous n'avez qu'à demander, maître. Alors fais ce que je t'ordonne, imbécile. La traversée était rude, mais la nuit va bientôt tomber. Ça devrait se rafraîchir. Alors ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, je comprends plus rien. Le soleil se couchait il y a une minute. Hey, c'est bien ce que je disais. Mais alors pourquoi il fait pas encore nuit? Ah, c'est cette vermine des Gokan qui crache des flammes juste au-dessus de la tente de Farhat. Allons secourir Tilda et les autres. Oh, allez, oh, remue-toi un peu, s'il te plaît. Non, et puis après tout, tu as raison, je devrais peut-être m'y prendre autrement. Je suis un mineur professionnel, oui ou non? Et j'ai cette pelle. Allez, ma belle, plus vite! Bon travail, mais continue, garde le rythme. Mmh.
niche, c'est sûr, il fait chaud là-dedans. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Papa est là, tout va s'arranger maintenant. La digitaline. Il faut que je la mélange avec du catamérius et... Ne t'inquiète pas, petit bonhomme. Nigel est là. Tu entres de bonnes mains. Ça va aller. Allez, on se réveille, Tilda. Il fait bon et frais ici. Fais un petit effort. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous avons, là? Ali a dit de mélanger la margarine. Oh, c'est pas pratique sans étiquette. Désolé, mon garçon, mais il faut bien que je commence avec quelqu'un. Toi, t'es grand et fort, alors... Non, d'un chien, quelque chose me dit que je n'ai pas mélangé les bonnes potions. À toi, Ben. Est-ce que tu m'entends? Faut secouer un peu. Hein? Oh, ça, par exemple. Je pourrais me faire une vraie fortune avec ces potions. Mais on verra ça plus tard. Allez, ça va marcher. Dans tous ces mélanges, il y en a forcément un qui sera plus utile. Un pour moi et un pour Ali. Mes jambes! Moi, je fonds! Au secours, Tilda, Farad, quelqu'un! Aidez-moi! Au secours! Les potions! Vite, il faut un mélange de digitaline et de... Et une petite minute, où est-ce que je suis, moi? Par mes tiroirs, quelqu'un a renversé la digitaline. Tout est perdu. Ah, oh, c'est malin, comment je fais pour sauver tout le monde, moi, maintenant? Ah, mon odorat ne m'a jamais fait défaut. Energicus fortimus, la plus revigorante des plantes. Elle ferait danser à mort. Je me sens déjà plus fort. Alors, occupons-nous des autres. Debout là-dedans. Oh, ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens tout bizarre. Ah, bah t'es pas le seul qui ait un petit problème. Ah, tout est confus dans ma tête. Entre nous, c'est pas dans ta tête que c'est confus. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est la faute des Gokan. Encore une de ces idées diaboliques. Vous vous souvenez à quel point il faisait chaud sous la tente, hein? Oui, mais comment on s'est retrouvés ici? Et tout d'abord, où c'est ici? Apparemment, quelqu'un nous a donné un petit coup de main. Papa! Cette flaque d'eau, c'est mon papa! Oh non, c'est trop horrible! Oh, alors, c'était lui, notre ange gardien, à ce bon vieux Nigel! Nigel! Regardez, il a même récupéré les cristaux! Ah, il s'est simplement trompé dans les potions! Et de 1, et de 2, et de 3. Hein? Je comprends mieux, voilà pourquoi je suis tout poilu! Mais qu'est-ce qu'on va faire pour mon père? Est-ce qu'il y a moyen de le sauver? Il a bu une potion de liquidation! Ah, et voilà un vrai challenge! Laissez-moi seul avec lui. Je vais trouver une solution! Non, je veux rester ici avec lui. Tilda... Je ne pars pas. Tu sais que tu peux lui faire confiance. Allons plutôt voir où mène ce tunnel, d'accord? Coucou, mon poussin! Tu papa. Pensais pas que ton vieux père resterait les bras croisés quand sa fille est en danger? En tout cas, on peut dire que t'es un vrai désastre en tant qu'alchimiste, Nigel. Mais c'est le plus fort et le meilleur papa du monde et il s'appelle Nigel. Nous sommes allés jeter un œil de l'autre côté de la dune. Alors, vous avez dû voir le mauvais tour que ce vieux démon des Gokan vous jouait, n'est-ce pas? Oui. Il a bien failli nous avoir. Maintenant, vous vous éclipsez gentiment et il n'y verra que du feu. Il pensera que vous êtes mort et vous pourrez tranquillement repartir. Non, pas tout de suite. Cette sale brute mérite d'abord une bonne leçon. Tu es d'accord, Ali? J'ai remarqué qu'Egokan buvait du pétrole depuis un hélicoptère Petroglobe. Quelqu'un sait où il remplit ses réservoirs? Dans un petit village à l'est d'ici.
C'est le seul à des kilomètres à la ronde, tu ne peux pas te tromper. Qu'est-ce que tu en penses, Ali? Ça te dirait de ramener un peu de justice en ce monde? Grand plaisir et quel privilège! Du pétrole, toujours du pétrole! Il en veut 40 000 tonnes supplémentaires! Ça commence à bien faire! Ce n'est pas un démon, c'est une éponge, ma parole! La solution est simple, donne-lui de l'eau à la place. Quoi? Qui est là? Qui me parle? Il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami? Quoi? Vous? Mais c'est impossible! Vous devriez ressembler à un abricot sec à l'heure qu'il est! Je vais remédier à ça! Alerte! Alerte! Ça fera effet combien de temps? Oh, je lui ai administré une toute petite dose. Demain matin, ce gros plein de soupe devrait redevenir aussi charmant qu'avant. Alors on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Changement de programme! Remplissez les réservoirs avec de l'eau! Mais votre méchanceté! Et on ne discute pas! Remplissez les réservoirs avec de l'eau! Bien, votre cruauté, vos désirs sont des ordres, votre saleté! Magnifique cette imitation! Oh, regardez là-haut! L'hélicoptère arrive! Tu en as mis du temps, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais le thé chez des amis? Dépêche-toi! Vos désirs sont des ordres, maître! Qu'est-ce que c'est que ça, Starkov? Quel égoïste! Il a vidé les trois réservoirs à lui tout seul! Gokhan devrait nous laisser tranquille pendant un moment, mais rien n'est gagné. Nous devons y aller. Oui, Farhat, dépose les cristaux sur la carte astrale de Zenem et voyons quelle est la prochaine étape. Voyons voir. Si on en croit la carte, le quatrième fragment du Shariman apparaîtra dans la jungle du Yucatan dans 4 jours, 14 heures, 23 minutes et 18 secondes exactement. Alors en avant! Tu ne vas quand même pas voyager dans cet état! Que dirais-tu d'une petite goutte de barbacourt? Merci Ali, mais j'ai eu mon compte de potions pour aujourd'hui. Et si tu préfères, je peux faire ça à la main. J'ai un équipement de première qualité, t'as vu? Oh, c'est gentil, mais je suis bien comme ça, je t'assure. Ne t'inquiète pas, Ben, je m'en occuperai, je te couperai les cheveux avec un peigne et une bonne paire de ciseaux, laisse-moi faire. Monsieur Swanson, nous passerons par le village, je pense que vous avez un bus à prendre. Ne vous dérangez pas pour moi, vous avez beaucoup à faire et je peux me débrouiller. J'ai mon propre moyen de transport. Oh, Papounet, tu es simplement extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans toi. Oh, tu exagères. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de se sentir utile. Allez. Rendez-vous demain au téléphone, comme toujours. Et si tu oublies, ça va chauffer. Au revoir, papa. Au revoir, mon cœur. En route pour les nouvelles aventures. On dirait que ça y est. Les effets du thé se sont dissipés, mais pas de panique, mon ami Ali m'a concocté une potion avec le reste du sachet. Tu n'as qu'à renifler ça de temps à autre, et tu seras la plus forte et la plus rapide chamelle de tout le désert. Tu pourras me ramener au village en un rien de temps. Il ne faudrait pas que je manque mon bus, hein. Je m'inquiète pour papa. On l'a laissé tout seul au beau milieu du désert. Tout ira bien pour lui. Il nous a prouvé qu'il avait plus d'un tour dans son sac. Et Snarkov, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as pris son hélicoptère? Oh, eh bien, il est resté sans voix. Allez-vous-en! Sors d'ici tout de suite! Misérable vautour, imbécile! Je jure que je me vengerai, Farhat. Oh oui, tu vas me le payer.